Le titre du morceau que je viens à peine de chanter, c'est Bangadoubia, qui signifie à l'enfant ils nous ont trompés, ou encore mieux, ils nous ont trahis. Je parle à qui, je m'adresse à qui, je m'adresse comme ça à l'Occident, face à l'Afrique, spirituellement parlant, politiquement parlant, économiquement parlant, culturellement parlant. On a été trompés dès le départ, tout en sachant que
la source de ce qu'ils nous ont apporté, c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue spirituel, culturel, politique et économique, la source c'est l'Afrique, c'est l'Égypte. Donc c'est un peu ça. Et en même temps, face à ça, j'ai constaté que partout en Afrique, la jeunesse a du mal à s'approprier sa culture. Vraiment du mal. Et il y en a qui pensent que voilà, vivre à l'image du blanc, c'est la meilleure façon de vivre. Mais ils ne savent pas qu'en Afrique, il y a une richesse culturelle que nos ancêtres nous ont léguée. Donc, dans le deuxième volet, comme ça, j'ai fait une interpellation à mes frères, une invitation, un retour aux sources. Je ne dirais pas retour aux sources, mais par contre un recours aux sources. C'est-à-dire comme on ne peut plus radicalement se détacher de l'Occident avec tout ce qu'ils nous ont apporté. Déjà que tout n'est pas aussi mauvais, tout ce qu'ils nous ont apporté n'est pas forcément mauvais. Mais il faut savoir faire la part des choses. Et aller de temps en temps au bled, aller se ressourcer, aller s'approprier nos choses. Parce que sur cette plateforme, ou dans cette plateforme qu'on appelle le rendez-vous du recevoir, le rendez-vous du donner du recevoir, autant pour moi, avant les échanges, il y a plusieurs échanges qui se font. Ces échanges-là, avant qu'elles ne soient, comment dirais-je, politiques, économiques et tout ce que vous voulez, c'est d'abord l'échange culturel. Et si on n'a pas notre identité, on n'aura rien à apporter à l'autre. Donc c'est un peu ça le message que j'ai essayé de véhiculer dans ce morceau.